Cuando tomes tu café, toma tu café con caña que solo la caña da el aroma. Cuando tomes tu café, toma tu café con caña. Solo la caña da el aroma con azúcar y con caña. Cuando tomes tu café, toma tu café en España y no te lo tomes sin la caña. Cuando tomes tu café, toma tu café en España. Toma esa caña en España y con caña. Les hommes se font vieux. Ils commencent à prendre la mouche au sérieux. De plus en plus et de mieux en mieux. La mouche n'est plus un objet, mais un sujet de droit. Elle est même susceptible d'être protégée par une loi qui nous interdit de la chasser, de l'écraser ou de la pulvériser. Ah, les petits sadiques ne sont désormais plus autorisés à abuser d'elle en toute impunité. De lui crever un œil, de lui arracher ses ailes ou de lui couper les pattes juste pour prendre son pied. Non, la loi ordonne de la laisser être. De cesser de l'offenser, de la blesser ou de la menacer. Et le passé est dépassé. Il faut la laisser vivre en paix. Immigrer là où elle a envie d'immigrer. Exister bon gré malgré notre souveraine volonté. Alors silence! Taisez-vous! Je voudrais entendre voler un être sensible. Et qui vient juste de reconquérir sa liberté. Sa Majesté la Mouche vient juste de goûter à mon goûter sans mon autorisation. S'il vous plaît, elle a un laissez-passer. Peut-être à cause de sa fragilité ou de sa vulnérabilité. Ou de sa divinité. Ça peut vous paraître saugrenu, mais dans toute deep ecology, il y a une part de théologie. On ne l'atomise plus, on la divinise. Comme tout être qui peut souffrir ou qu'on n'a aucune bonne raison de faire mourir. Si ce n'est... pour rire. Assouvir notre désir ou imposer notre bon plaisir, celui de nuire pour nuire. De retirer la vie à tous ceux qui ne peuvent exprimer leur avis. Alors plus question de la capturer ou de la torturer. Il faut la reconsidérer, la prendre en considération parce qu'elle fait partie de la vie. Et sa disparition pose problème à notre écosystème. La nature n'a point d'unité en dehors de cette diversité. Tous les êtres ont droit de cité, n'en déplaise à notre penchant pour l'adversité. Et le plus beau, c'est qu'il n'y a pas un être de trop. Mais pour tous, c'est toujours la mort qui aura le dernier mot. Donc je me dis, à quoi bon la lassitude pour des êtres voués à la finitude? La mouche ne fait que passer. Mais vous aussi, c'est ainsi et pas autrement, c'est la vie. Alors on peut certes dresser des barrières, la noyer en mer ou l'exploser en l'air. On ne réduira pas pour autant notre misère, la pauvreté de notre jugement et la cécité de notre faculté de discernement. Sa Majesté le Moi doit céder sa place à Sa Majesté la Mouche.
si elle ne veut pas se retrouver tôt ou tard sur la touche. Alors oui, pour nous gâcher la fête, certains prétendent que les mouches transmettent certaines maladies, mais certainement pas les plus mortelles, que les hommes sont les seuls à transmettre, et parmi lesquels on peut citer la cupidité et la compétitivité, alors disons le manque de lucidité, qui n'est tout compte fait qu'un manque de générosité.